J'étais dans la carte de mon ami comme avant-hier. Cette histoire ne tient pas debout. Tu portes plainte. Procès pour moi, la famille déjà à Molière. La première audience, la journaliste qui a sauvé. Moïse Imbé Yakimi, Eliane a dit on a des preuves, mais cas adverse. Et lobby. Est-ce que Zeni est contre la lobby? Non, maman, Eliane. Bonjour. Ils t'ont fait avorter. Il est 7h13 à Kinshasa. Il est 7h13. Dans la routine de cette bêtise. Boko ta kotana non. Ça t'a aidé. Donc, il faut que je réponde à ce garçon. Dans tes snaps, tu étais partout, mis d'été. Dans ses concerts, studio, à l'église. Vous avez même pourtant dans la Bible. Tu le suivais partout. Mon papa, ta famille savait que tu léchais le cul à mille. Bokota. N'a répondu à nous. PDO, hein? Trois fois dans moi. Les gens qui reconnaissent que des derniers, donc, 3 ans, depuis qu'on te connaît, ça fait 3 ans. Donc, Banda Mazako Beto Magouda, maman Noye Barate, Badrogio Baki Balomolusio Zemi, ta mère ne connaît pas. Balali Lali, ta mère ne connaît pas. Elle m'a dit que minuit, mère en a parlé, et après le vidéo, on n'a pas raté. Elle a la place de sa mère dans l'éducation de Eliane. Mais, Mouzo va faire la carte sans doute, on peut écouler. On n'est pas bête. Tous autres, la bino n'a pas si cas. Très bien, dormi. Il y a eu combien de criminels au Congo? Les lobos, les jours où. Le gars, il s'appelle LJ Era Ramsès. La personne m'a envoyé la vidéo vers 23h50. Je suis dans beaucoup de choses et je n'ai pas pu parler. Monsieur LJ Era Ramsès, je te réponds bien. Moi, mon diplôme, ce n'est pas toi, un PD, qui va venir parler, d'accord? Je fais cette vidéo, après je ne dirai plus rien. T'es un PD. Quand un homme comme toi, qui ne sait même pas s'habiller, qui a des garanties sur lui, parce qu'au fond, dans la Genève, monsieur, tu n'as pas une vision. Pour Ozamba Kassa, Outimboka, Ouambo Katie. Bana Suisse Nyonso, Baebinga, Denis du Sochon Mukendi, Nassala dans les Nations Unies à Genève, Nassala dans l'ambassade de RDC à Genève. Yo, Oamba Kassa, Oe Loti, c'est toi qui n'es pas connu. Batou tout à Genève, Oo ya France, on a sa mariage nabango, ba anniversaire nabango, Baebinga bien. Toi, tu es un villageois. Donc, il y a goûté. Donc, tu as vu que Suisse est un mot qui va péder, n'a pas lesbienne. Donc, tu es là-dedans. Oza la marque n'a pas mot. Moutouakin, à quoi il va te qui tu es. N'a moi la pote, tant moi à solo. En fait, tu vas faire du buzz à côté de moi. J'ai regardé ton profil, monsieur. J'essaie de me foutre pour détruire Eliane. Nana buzz que l'école est l'objet de l'objet. Mon avantage sur toi, j'ai de l'ascendance sur toi. Et de loin. Namoua Poto Tango et j'habite la RDC. Otinga bien. Et puis un, de deux, je travaille. Je t'apprends qu'Eliane, Ozo Fingawana, Eliane, c'est une femme forte. C'est pas comme toi, Basi Bakona Masoko. Non, niveau, non, pour comprendre que ça, aucun scène à côté, aucun icône à côté. C'est pour te montrer à quel point moi je sais, je connais ce que c'est informer, former et divertir. Là, je suis dans l'information et le divertissement. Tu prends ma vidéo pour m'insulter sur ta page. Après, tu dis, je vais pas passer le temps sur elle. Tu as passé 55 minutes sur moi, monsieur. En 55 minutes, il y a des gens qui ont ça ma carminine. Donc, garçon, vous pouvez péder.
au comment na pourquoi au tient moi brillant au tient souki na bilembo na bino ba pédé na nzoto au télé moi tient moi caméra pour giga zo fait na poto. Nous ici les giga coûte très cher monsieur. Kuna na poto avec 19 euros, 19 francs suisses comme tu es en Suisse. 19 francs suisses, tu as internet illimité. Tu as le téléphone gratuit à partir des 17 heures où tu peux appeler tous les pays de l'Union européenne plus les États-Unis et le Canada. Ok, n'a bien. N'a la faille en Suisse, n'a avancé. Tout là-bas à Genève, je suis resté là. Je suis résidente en Suisse. J'ai ma famille en Suisse, monsieur. Petit villageois, PD. Ok, poto pose au Mukanda. Son allant des peu vinao. Ou un genre de garçon. Donc, au Tane au Congo, au commis poto comprendre que Kuna pose au Mukanda, il faut aller gay. Et c'est ce que tu es, monsieur. Tu n'as pas mon niveau. Tu as passé toute une vidéo à insulter Eliane, Ndumba, et ceci. Yaku tozo pesa li bolo, yozo pesa li fouille. Bon demote. Yo, ce qui est dire donc, moutoumou boe, bilo, on ne sera même pas à 15 commentaires. J'ai eu le temps de regarder ta pauvre page. Donc, on comment moyen, ose moi buzz na si manana. Moi, je me suis créé moi-même. J'ai de l'ascendance sur toi, je connais, je maîtrise le dossier. On peut en rigoler, faire passer par de blagues pour rigoler un peu. C'est pas comme toi, tu prends un air sérieux pour oser à Genève, oser à toi social. Oser à toi social. Et tu te mets à insulter Eliane, tu insultes ses parents. Où est le problème? C'est normal, c'est un procès du siècle. Tu dis une chose et son contraire dans ta vidéo. Tu as passé 55 minutes à ne parler que de moi. Monsieur, je suis là pour toi solo. Yoza pédé. Eliane a zopé sa liboso, libolo. C'est normal, piment. Mais yo, opé sa lifouni. Effectivement, ça a raison. Nan mouluba, o a timba. Pnose la mbongo. Moi, je ne suis pas comme vous, vous êtes des. Oza d'abord pédé, o koki ma kambuto, kimi kongo. Pso ta ba derrière. Nan l'omwe kouna na eboui. J'ai une très belle vie. Et dans la Kine, et dans la Bella, et dans la France, et dans la Suisse, là où j'habite. Donc quand tu veux, on va finir mon tout, quand tu as un profil, c'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que moi j'ai fait. Ouais, là, tenez-vous ça, on a yo, ce qui elle dit, moi, pédé, mon boy, ok, poto, suis ces hommes, on va pédé, on va lesbienne. Ok, on l'a vu, c'est qu'on a pédé, bah, ok, non, moi, mawa, bah, on a pas pédé, moi, moussa, mais plus, on va congolais, bon, on a mis ça la tête. Soit ça va fonger le social, au fond de l'écart social, ou bien, on va éboueur. Toi, tu fais quelle analyse, toi? Tout le monde, aujourd'hui, à l'ère numérique, on ne va pas attendre. Moi, j'entre dans le dossier parce que je soutiens. Moi, je n'ai pas besoin d'argent, monsieur. J'ai pas besoin d'argent. Ceux qui ont un peu de la Suisse, ceux qui sont sociaux, ils paient sur 3900 francs suisses. Aujourd'hui, on tient pas paient sur méga et offert la sociale. Ils paient sur méga et offert la CAF. Tout l'émission Écho d'Europe. Je suis là, l'une des réalisatrices et présentatrices de l'émission Écho d'Europe. Parce que notre agence est accréditée aux Nations Unies à Genève. Pauvre con. On l'a bien pelé. On ne traite pas un sujet avec légèreté. Ce qui se passe ne nous fait pas plaisir pour nous d'abord, les femmes congolaises. On ne peut pas rire pour Yosawana, au Sotoboni Matoi. En fait, pour moi, je habite na Porto, surtout na Suisse. Et ça, Suisse, c'est le pays des lesbiennes et des gays. Donc là-bas, si tu es gay, tu es lesbienne. Dès que tu arrives là-bas, on te donne le séjour, on te donne un travail. Ils sont comme les fils de la veuve, au fait.
il faut la bête caboué. Non, bête caboué, si, il faut comprendre que, na niveau na été. Toi, tu, yo, il veut le français, yo. Moi, français, quand yo, colo, le biwana, ou l'éloquence, et ceci. Monsieur, moi, ça fait 15 ans que je viens en RDC, que je travaille pour la République démocratique du Congo. Nan piaka, nan moulungé, nan tzala, nan moutem, ma bête, nan moko et toni. Toi, t'es qui? Bafou, tchoko, t'es la Moïse Mbiye. Mais Moïse Mbiye n'a pas besoin de toi. Donc, mouta, a foutu à la zando qui, oh, t'as mis sur ton sol au bas, awa. Alinga coulé Moïse. Moïse a piqué crise. Pasteur Emmanuel Mbiye a piqué crise. Y'a tika en église. T'as compris les copes nae. Donc, a souki n'a pas bané mikiona, a bané opé sa pasteur te. Maintenant, elle t'utilise la personne là, nous la connaissons. Azo utilisé pour que moi, toi, je te comprenne, je n'ai. Te comprendre, j'ai yaye, moi, moi, suis. Et toi, pédé que tu es, papa, tu n'es pas. Si on compte les hommes sur cette terre, Dieu t'a déjà banni. Tu es mi-ange, mi-démon. Je te dédie l'album d'héritier. Parce que ta place n'est plus sur terre. Comment on cause à l'offendi na poto au bandit qu'on finit à Eliane pendant 2 heures du temps? Moi, les gens sont contents parce qu'aujourd'hui, à travers ce média, les gens savent ce qui se passe. Et Yébisa Christian Wana Oyo, Atindelio Odio Wana, il sera arrêté. Parce que Yaza Mondimintaba, au tribunal, il a tout fait pour couvrir son pasteur. Ce qui est normal. Il ira en prison. Je te l'apprends. Donc, au fond, on a poto. Tu ne t'es même pas intégré. Tu es resté congolais. Tu es le premier à parler des bêtises dans ta bouche. En fait, votre problème. Bon, mais ça ne va sur à Makam. Parce qu'au Congo, il y a deux catégories. Il y a les vrais journalistes qui ont toujours peur des problèmes parce qu'elles ont une vie privée à cacher. Il y a les chroniqueuses au Babanga Makamouté. Et moi, j'allie le deux. Je joue dans tous les camps, dans tous les eaux, je nage, dans l'eau douce, dans l'eau trouble. Amen, maman, mamie. Donc, le gars, on l'a payé. Nous savons tous qui est derrière cette histoire. La personne qui est partie fait arrêter. C'est cette personne-là qui a donné. On sait que le dossier est vide. Oui, je t'apprends que le dossier était vide. Mais, yende, moutoké, on a copé ce dossier corps. Quand on va arrêter tous ces petits-là, parce qu'ils ont le contenu du pasteur Moïse, et c'est elle qui détruit l'église Bethel. Après scandale, oh, c'est d'elle que je veux m'occuper. On lui va faire piquer ce pasteur Emmanuel Mbiye, nani, Chris Kakaboy. Et puis tu ne te limites pas à ça. Maintenant, comment bien va ton poto, ma fin. Naza bonaza kaki pa kakokolo. Oena bouso beaucoup tanga. Tu viens mener avec un débat républicain. Tu me trouves, je suis la femme qu'il faut. Monsieur, je te dis, si toi tu n'es pas marié au Kenya, au Salaki, Ndumba non en Suisse, pose Mikanda, pose ma facilité, Denise Dussochoa est mariée, mère de 4 enfants. Mon mari vient en RDC, donc tout le monde le connaît. Moi je suis venu faire l'argent ici. Moi je ne suis pas comme tes faux pères, ça lui fout ni pour vivre. Tu as la marque de la bête sur toi. Donc, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont fait un buzz pour mon page. Tu ne peux même pas regarder ma page officielle. Regarde ma page officielle. Moi, je communique pour le gouvernement. Non, quoi, il y a des gens qui ont fait un sale. J'ai mon agence, Mikolo m'a soulevé aussi, je suis dans mes autres affaires. Moi, je suis une patronne, je suis une patronne, monsieur. Yamwana Kima Poto, la Tika Poto. Je suis venu investir ici, en République démocratique du Congo. Lorsque je parle de Liane, il y a des points qui sont
très sensibles qu'on ne peut même pas mettre sur la place publique. Il y a des choses, on en rit. Par exemple, hier au tribunal, j'allais prendre la vidéo de cette dame-là et elle a 200 000, 300 000 vues. Mais je lui ai dit, va dans les, d'abord dans les médias nationaux. Ici, quand je verrai tout le monde prendre, comment on appelle ça, ton interview, à ce moment-là, je vais te chercher aussi. Mais moi, je ne peux pas venir alors qu'il y a un dossier en instruction, venir te prendre. Et alors, quoi, là, le pasteur Moïse. Le pasteur Moïse, c'est d'abord mon frère du sang. Ce qui est bien monté, pour où tu sois qui ouais, puis moi, village, moroboé. N'importe quoi, tu vas faire la ta internet, tu afin de la kitty, afin de pendant 2 heures, tu es en fin de carne. Nous avons ça, n'importe quoi, tu es en été. Il y a des gens, dans la Suisse, ils allient 2-3 boulots pour vivre. Moi, boulot 2 dans l'officine, moi, moko pembeni. Mais ce n'est pas ton cas. Tu es là, aux enfants, tous les jours, tu es devant l'internet pour insulter. Dans la République démocratique du Congo, en matière de viol, c'est vrai que c'est prescrit jusqu'à 30 ans. Maintenant, ce qu'on a la preuve, ça veut dire quoi? Tu es parti à l'hôpital, voir, tu as ok qu'on perd tes plaintes. Babengi le médecin légiste. Médecin légiste a bengio flux soana. À partir de ce flux, on va séparer le flux sanguinaire, hein, le flux sanguin, avec le sperme. À partir de là, médecin légiste azu coton à côté na katia les dessous ya pénis naie, il récupère le flux. C'est comme ça que wana prescription et kozala ozana dossier solide. Mais na kala mabilo on a bu sur Congo, on est parti, on t'a déviergé. Après tu es tombé babé na monini, on t'a fait avorter. Bakayo na kama hôpital moboe, il y a pas de caméra. Tu n'as pas de témoin qui a pris la photo de Bofandaki ou une vidéo pour dire salut, nous sommes à l'hôpital avec Eliana, on est là et tout. Achang on a SnapTube et Snapchat ou bien achang on a Facebook. Ça ce sont des références, ça ce sont des faits palpables. Maintenant, vous n'êtes pas dans un hôpital à la cité où il n'y a pas de caméra et l'eau quali bosso. Donc, on est commis déjà, moi, difficile. Ou, tant on va déverger, tu n'es pas parti à la police porter plainte que j'ai été dévergé, comme avec un de nos frères de Bruxelles, qui a un grand salon, je ne citerai pas son nom. C'est ce qui lui est arrivé ici. Il a rencontré une jeune fille, ils sont partis, et quand ils ont fini, comme la fille, en fait, ma Congolaise, Bazabongo, la fille l'avait piégée. La fille est partie avec sa maman jusqu'à la police. Ils ont porté plainte. On a fait appel à un médecin légiste de Maman Yemo qui est venu, qui a récupéré tout ce qui est fluide dans le vagin de la fille. Ils sont partis avec. On a séparé tout ce qui est fluide sanguin hein, à tout ce qui est sperme. Et c'est comme ça qu'on a su que c'était lui. Il a d'ailleurs fait, je pense, 3 à 6 mois de prison ici. Il a négocié parce qu'au départ, il niait le fait. Il pensait que la petite avait bien joué son coup. Non seulement elle avait 17 ans, elle était vierge. Elle était sûre et certaine que son coup allait gagner. Donc, c'est ça. Et dans le cas d'Eliane, il y aura beaucoup de trucs. Maintenant, vu que le pasteur Moïse Mbié est un homme public, il y a une autre façon de faire, de traiter les choses. Comme c'est un homme public, il n'y a pas de chantage là-dedans. Comme vous pouvez voir, eux-mêmes ont fait arrêter des gens et on a trouvé des choses dans les téléphones de ces gens-là. Parce que déjà dans sa plainte,
elle a bien dit que ces gens-là ont des images compromettantes de mon frère. C'est comme ça que la descente, la police a fait une descente musclée. Et je vous apprends que les 7500 et non les 10 000 dont il parle, qui ont été payés à Eliane pour les clips Yeoyo, 7500, c'était en fait une sorte de dédommagement. Parce qu'entre eux, plus rien n'allait. C'est pour ça qu'on vous dit, quand une femme rusée se fâche, même le diable prend son téléphone et entre dans le note et commence par écrire. Parce que c'est une relation que beaucoup de gens connaissaient. Même Christian, hier, à son procès, il est tombé, il a bien dit qu'il soupçonnait et qu'il a vu dans le téléphone de sa fiancée. Donc, il était au courant. Comme le frère Jérémy Kongolo. On peut rire de ce qu'on a vu pour ne pas avoir un cœur très, très meurtri sur les vidéos de ces filles-là. Parce que ce sont des filles qui montrent que Mazaraba est sainte. Et là, on voit leur sexe. Bisoku Toyo, moi, on a vu juste mon corps à la piscine. On en a fait un drame. Et heureusement, tu vois, le Wakuna, à moi, la pote, à Messana, à ton caca tout le temps. À dans la piscine tout le temps. À dans la sonnette tout le temps. Où est votre problème? La vérité est dure. D'ailleurs, d'ici là, dans 3 jours, vous aurez live spécial avec le pasteur Moïse Mbillé sur ma page. Voilà, Pesibino. Live spécial dans quelques jours avec Moïse Mbillé sur ma page. Ce qui est vrai, j'ai eu l'homme de Dieu. Il est abattu. Cette histoire le dépasse. Il en a perdu le contrôle. À cause de ce garçon, yo, na muto abengiye po abana o filipandenga. Papa, ekosimba teka kipaka kokolo. Moi, j'engrage des millions de personnes qui me suivent. Il y en a qui pédent, mais c'est toi, n'a pas de qui on a. Oh, 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 si tu passes à côté du courant, tu n'as qu'il n'a. Oh, bah, courant, c'est qu'on a eu. Eh bah, c'est l'état, nous avons la king, on a, bah, c'est pas pédé. Eh bah, moi en plus. Ouais, comme tu viens me critiquer. N'a pas la moundele. Bon, mais que ça complexe. Non, 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 il faut l'expliquer. C'est pas comme toi, pauvre nègre que tu es, au commis la porte, mais aussi pour la mine pour vivre. Nuance. N'a pas la mundele. Yo, na wazana Canada na Herman, ma soko et toboka. So qui t'aime, tcha caméra l'acceptation ma soko na. So qui li fou nyouane zakaka, m'kienenge zakata m'obotamaka. M'toi soni. Nadine Pinto, t'es pécho ne fait non à salé bon mot. Moi, des gens qui ont peur de moi. Tous ces journalistes que tu as cités là, ce sont des femmes qui ont peur de moi. Parce que là, bang a été. Ou en a besoin beaucoup d'anatimoins. Tu viens pour que nous puissions mener un débat républicain. Tu me trouves. Je suis la femme qu'il faut. Moi, je blague pas. Yo, hello, t'es n'importe ça qui peut. Moi, j'ai un carnet d'adresse. N'a pas fané la fané la robe, n'importe quel ministre. Il est 7h juste à Oyamba. N'importe quel gouverneur à Oyamba. Ou un numéro président de la République, yo. Kizengi. Obi, Osama Bajar, Obanda, défendre Fati pour se retrouver. Monsieur, je travaille pour Kabila. C'est Kabila qui me paye. Moi, je ne travaille pas pour mon frère. Moi, je le défends gratuitement. C'est Kabila qui me paye, monsieur. Depuis 15 ans. La belle vie que j'ai, c'est Kabila.
Et le monsieur a 70% dans l'exécutif, il a 70% au sein du Parlement. Et toi, tu viens parler ici, parce que c'est ça qu'ils aiment, et puis l'autre. Kabila camarade, non? Kabila camarade, non? Un pauvre con, t'es là-bas en Suisse, ma soko est fou, ma yona berman, bossa en salamoko. Ma soko, soko t'aime, quand on a photo, il se fou, il n'a pas internet. Je mets en doute ses diplômes, pauvre con. Osa, on a la porte, on a tangi. Sosa, la qui congolais, ok, on a fait son mot social, n'a au côté de la société, on va péder, on a mis mon fin. On a vu que, au fond, tout n'a si si champagne à Genève. Comme osa pédé, grand sœur n'a pas l'air de mon nez à Suisse, à Genève. Si si champagne, qu'elle est retournée, pose en bas, qu'elle est en zone. Qui zengi. Tant mon noco rouge, mon noco rouge est sur saka. Donc, il faut une salle pour qu'ils comprennent qu'il n'a pas le monopole. Quand moi, Mikolo, je vais méga na yo, je vais méga te. Na Suisse, c'est ça qu'on fait, comme ça, on caf. Check à mon ordinateur, on a un fing. N'est-ce pas, check à 400, 500 gigas par mois. Quand te dis le prix des gigas ici, pauvre con. Non, ce garçon-là, il est très suivi, Mikolo. Ozomona. Alors, il se cherche un peu de buzz. Monsieur, Tango, Maramo Moïse Mbié aussi, là, tu n'auras plus d'infos. La seule info que tu auras, c'est insulter Félix et Kabila. Tu n'auras plus d'infos. Moi, je suis une femme tentaculaire. Je suis journaliste reporter d'images. Oebina Suisse, ma ebiote, yon en a ebioyo. Moi, j'ai ma maison de production, Oneo Vision, qui est accréditée aux Nations Unies à Genève. Tout le Jean-Pierre Oné Massard à l'ambassade d'Abisso. Moi-même, j'ai travaillé à l'ambassade de la RDC à Genève. Yon a ébiotème, o ébanité, on le monde s'abuse dans Simananga. Yon a ébanité à Genève, monsieur. O ébanité. Nan la fin de mine avancée, à côté de l'exer. Yon a ébio. Mon filleul, c'est le plus grand musicien Mikolo. Mon fils Jordi Makala. Je te fais de gros bisous. Je vois comment tu es en train de percer. Mon maman n'est pas là. Donc, je veux te soutenir encore plus. J'ai vu le documentaire qui est passé sur la télévision suisse romande. Donc, c'était un truc de ouf. Jordi Makala. Donc, mon fils. Je te fais des gros bisous depuis la République démocratique du Congo. Sache que ta maman te soutient. Jordi Makala, mon fils. Il fait la musique rap, hein, urbaine. Donc, Bolanda KFP. Il a une page Instagram, Facebook, Trapzik, Jordi Makala, mon fils. Un grand musicien en Suisse, à Genève. Donc, il y a un village, parce que ça villageois, au tabac côté, il y a est, il y a villageois. Il y a un autre qui a été le poisson, il y a un autre. Il y a un autre qui a Hélène, c'est une femme forte qui a frappé un coup de pied dans la termitière. Aujourd'hui, ils sont connus dans la fourmilière, pardon. Non, je suis très calme. Je viens de répondre à ces allégations. Et puis, non, le bain souté, parce que, alors, profiter, avant nos chrétiens, là, pour le bain, monsieur, non, attends, on te pose à péder. Un homme d'abord ne parle pas comme ça, un vrai homme viril ne parle pas comme toi. Toi, tu es dans la marmaille. Nous, on est là pour soutenir la fille. Parce que moi, j'ai tous les dossiers.
Tu attends quelle justice, toi? C'est en Suisse, là où tu es, là, tu vas attendre la justice? Au moins, avec vos appels, non, tu peux me candater. Parce que pour un gars qui travaille en Suisse, dans Suisse, ça va rater, hein? Pour un gars qui travaille, qui rentre fatigué, tu restes 2 heures sur Internet. Nous, pour le mot Congo, il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de flux au niveau de la régie financière. Est-ce que tu comptes avoir facture dans Bissau? Bah, où tu fais la session car elle est 20 heures. Donc, les paiements vont commencer fin février, mars et tout. Donc, pour le moment, c'est en ballotage. Monsieur Sel est le ministre des Finances qui vient aussi de bloquer. Il a dit plus question d'urgence, plus question de 100 jours. Tout doit passer par un budget. Et le monsieur, il est en Suisse, il ne fout rien. Il est juste pédé. Il se met à me vilipender, à m'insulter. Monsieur, tu n'es personne. Que notre Félix, oh Arthur, oh afin d'en avancer, Pembe n'y a pas l'excès. Que notre va aimer Kunga, va aimer Baluta Kunga. Va d'ailleurs à l'ambassade de la RDC à Genève. Va demander ma maison de production, Oneo Vision. Comme je suis en Afrique, je travaille avec Jean-Pierre Onema. Soroza villageois, Oebi Jean-Pierre Onema, Oebi Denise Mukendi Sochoate, Kesa Mokina, au pauvre compédé. Nous soutenons Eliane, effectivement, Makamabouessa, et comment Makamambong. J'en profite aussi pour faire une demande de fonds. Eliane n'a pas de possibilité. Comme vous savez, elle travaille quelque part. Nous avons que nous sommes à stage. Eliane travaille à l'hôtel de ville de Kinshasa. Basombele est djoukte, attends-moi la moi vite, naé. Asombele est mbon, naé. Eliane, c'est une femme forte. C'est pas dire que non, elle est sainte. Non. Mais dans ce cas-ci, nous sommes dans le cas précis. La petite a subi des préjudices. Pour nous, les intellectuels, nous connaissons toujours comment ça va terminer. Et pour un homme public, on ne classe pas le dossier à taper Simon. Les avocats ont raison parce qu'ils se disent que le pasteur ne reviendra plus pour le moment, le temps que les choses se tassent. Vu qu'on est en train d'agresser des gens, on est en train d'utiliser la police nationale congolaise pour arrêter les pauvres jeunes, les terroriser. Aujourd'hui, manifestation à la MONUSCO, comment on appelle ça, la section de droits de l'homme qui a pris ça en main. C'est normal? Elle est menacée? Yebi ça peut Christian Tindelio audio wana poto yebi muto Tindelio. Yebi muto la comme aso sukola bongo a Christian. A yebi sa Christian ne sambe na e. A oko ta prison. Et on va s'assurer qu'il fasse très bien cette prison là. Mes sincères félicitations à une de proches collaboratrices du pasteur Moïse Mbiye qui ne dort plus. Je ne citerai pas son nom maintenant, d'ici là qui m'a contacté, une très, très, très proche collaboratrice du pasteur Moïse Mbiye, une femme très humble qui m'a contacté afin que je puisse parler à la famille d'Eliane Batchanassé. Je ne veux même pas faire cette vidéo parce qu'elle m'a beaucoup parlé pendant pratiquement 4 heures du temps où elle m'a expliqué beaucoup de choses. J'ai aimé son humilité. Elle m'a touché, cette femme-là. Elle m'a touché et je parlerai à Eliane. Pour soutenir Eliane Bafeno, son nom c'est Eliane Bafeno Kitoko. Pour sa propre sécurité, on ne va pas mettre son numéro de téléphone. Vous pouvez le faire à Western Union sur Kinshasa. Sur Eliane Bafeno Kitoko. Cette dame-là, elle a pris l'argent d'Eliane. Non, Eliane a besoin de tous. Elle a des frais d'avocat. Elle a immobilier comme ma maman, elle va juger. Tout le monde a peur pour la justice. Mais je pense que avec tous ces collectifs d'avocats qu'elle a prises, vraiment, ça va aller. Donc, je tiens à féliciter une des avocates d'Eliane, une femme de prière qui comprend beaucoup de choses, avec laquelle nous échangeons, parce que tout le monde, les gens pensent que tout le monde est mort dans le Cambo. Nine,
Nani, pardon. Nani, en français, hein, comme une explication, une exclamation. Nous ne mettons pas la chaleur dans ce dossier. Par contre, comme j'ai été vilipendé, j'ai voulu montrer aux gens que le dossier était là. Et que le pasteur Mbillet puisse s'humilier. Parce que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Pasteur, ceux qui ont yoka qui nani conseil nana depuis le départ, ce dossier n'arriverait pas à ce niveau. Vous êtes en train de vilipender le fils du pasteur Ngalassi. Mais le fils du pasteur Ngalassi a vu le pasteur Baruti, le pasteur Sonny Kafuta. Il a vu tout ce monde-là, tous les collaborateurs du pasteur Moïse. Ce sont eux qui lui disaient en Europe, « Comment a-t-il un homme qui a été ?» Non, c'est un homme public. S'il s'humilie, il va sortir grand dans ses dossiers. Nous connaissons comment les chrétiens fonctionnent. Baba, il a demandé pardon. Effectivement, c'est ce qui va arriver. Mais en s'entêtant, le dossier est comme un vimba. Il y a un pasteur. Au moins, il s'appelle Lukuta. Parce que hier, moi, je lui ai dit, tu sais qu'en RDC, on peut tirer, il y a un test qu'on appelle l'amniocentèse. On tire des fluides dans ton, comment on appelle ça, dans ton placenta, sur le bébé. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs très dangereux. On va prendre le sperme du pasteur. Bah, quand t'as la soeur qui m'a dit, on a zaillé. Moi, la route dans la bautamité, on peut le faire dans HG Hospital. Moi, je lui ai dit ça. On peut le faire au centre médical de Kinshasa. Ce qui s'avère que ce n'est pas son enfant et que ce n'est pas sa grossesse et que tu veux juste l'humilier sur la place publique, pose à Péao Kanyaka, au Kossi. Si je voulais à ce point, moi, je suis la première à appeler Mme Lydie Mbillet. Pour lui dire, madame, dans cette histoire, il faut être très sage. La sagesse doit être de mise. On m'en dit tellement. Ma téléphone en est libre. Je suis à la fin de mon direct là. Hein? J'ai dit à madame Lydie Mbillet. Madame Lydie Mbillet, dans cette histoire, il n'y aura qu'un seul perdant. D'ailleurs, deux. Le pasteur Moïse Mbillet et le patriarche Emmanuel Mbillet, qui d'ailleurs est malade. Aujourd'hui, l'église Cité Bethel est construite sur des valeurs. Je ne cesse de vous dire que moi-même, je suis une fille Bethel. Et je mal dans ce qui se passe. Que mon Dieu bénisse cette proche collaboratrice du pasteur Moïse, que je ne citerai pas le nom ici. Vous verrez la personne d'ici là. Une femme très humble. Je lui ai dit de prodiguer des conseils à son collaborateur. De lui dire, dans cette histoire, il y aura un perdant. Ça sera lui. Ça sera le pasteur Emmanuel Mbillet. Qu'il négocie avec la petite. À moi, la Bethel. Parce qu'au départ, elle n'était pas venue avec une mission de venir détruire l'église. Non. Elle est venue prier. Après ce qui s'est passé, c'est passé. Maïmon Kouichkila. Ça veut dire que l'eau s'est déjà renversée ou versée. Le seau d'eau est plein. Ce comportement-là, c'est ce qu'on c'est pour ça qu'on dit en français, la goutte qui a débordé le vase. S'il ne s'humilie pas,
Merci beaucoup, Aimé Morena. Merci beaucoup, Maman Réserve. Merci beaucoup. Envoyez-lui sur, Eliane Bafeno Kitoko, c'est ça son nom, sur sa pièce d'identité. Envoyez-lui. Quand vous dites que non, le pasteur Moïse Mbie, c'est ton frère, pourquoi tu fais ça? Eliane aussi, sa mère est Moulouba. La maman d'Eliane est Louba. Elle est Louba, elle est dès chez moi. Elle est du Kassai oriental. Justice et Katian Makambute, ça c'est pour toi qui es loin. Moi, je suis plus proche du dossier. Non seulement je suis femme, je suis journaliste d'investigation. Et mon travail, c'est de dénicher qui est derrière le dossier, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, qu'est-ce qui peut nuire, qu'est-ce qui peut apporter un plus. À travers mes lives, j'ai des messages des gens qui connaissent. Je vous ai bien dit ce jour-là que cette histoire est connue à l'église Bethel. Ils ont juste préféré détourner le regard. Toutes ces histoires dont nous parlons ici sont connues au niveau de l'église Bethel. Nous défendons Eliane parce qu'Eliane a une histoire qui tient debout. Ce genre de fille, elle peut être devenue comme Nathalie Kowa, écrire de livres, écrire sur sa vie et vendre. Ça, c'est son business, ça viendra. Mais elle a connu des préjudices. Et nous voulons juste l'aider. Vraiment, j'en profite vraiment pour vous demander de l'aider. Elle, elle est face à son bourreau, à ses bourreaux qui veulent à tout prix la détruire. Comme je le disais hier, vous vous rendez compte que tous ceux qui sont en face d'elle ont un seul avocat. Le cabinet OCMB. Le cabinet OCMB, c'est le cabinet où on trouve un des directeurs de cabinet adjoint du chef de l'État et un des assistants de Papa François Béa. Donc, je connais le cabinet qui gère. Il y a un avocat qui vient, mais nous connaissons tous les personnes qui gèrent ce dossier. Mais ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils savent que sur le plan politique, ça va nuire. Envoyez le code sur mon numéro, mais à Eliane. Mon numéro professionnel, c'est le 00243. 85 13 83 111. Il y a beaucoup de faux profits d'Eliane Bafeno, donc il faut faire attention maintenant. Vous lui envoyez l'argent sur Western Union 00243. Non, sur son Western Union, sa carte d'électeur, sur sa carte d'électeur, son nom est Eliane Bafeno Kitoko, si je ne m'abuse pas. Attendez, je vais la voir pour vous sur mon téléphone pour qu'elle puisse confirmer ce que j'ai dit pour elle. Souvent, elle suit beaucoup mes directs elle-même. J'espère qu'elle ne dort pas. Je suis en train de l'appeler, hein.
faut comprendre, hier, on a eu un coup de fil très, très important d'une personne très proche du pasteur Moïse. Et on est resté jusque tard parce que la personne parlait, bien sûr, avec Eliane. Et à Makambo, on a mis le bozo, mais là, on a été tout ça, tout ça. Et comme je le disais, l'humilité précède la gloire. Là, je l'appelle sur son WhatsApp. Or, normalement, elle répond. Sûrement, elle est en train de suivre le live. Allez, la live n'en a fort, ma petite Eliane. Je la prends pour comme ma fille, parce que ma fille est née à 25 ans. La petite, elle a 20 ans. Donc c'est un peu ça. Je suis en train de l'appeler dès qu'elle répond. Hein. Merci beaucoup. Dès qu'elle répond, vous allez l'écouter elle-même. En fait, elle n'a pas trop de possibilités. Vraiment, aidez-la. Je fais une chaîne de solidarité pour Eliane. Eliane Bafeno, qui a besoin de tous. Qui a besoin, aujourd'hui, à l'ère numérique, on ne peut se fier qu'à notre armée. L'armée, c'est vous qui nous suivez dans ce dossier. Aidez Eliane à faire face à ses honoraires, à faire face à tout ce qu'elle veut faire comme activité, dont des marches au niveau de... Au niveau de... Hein? Au niveau de... Oh mon Dieu, j'ai rendez-vous à 8h30 au bureau du ministre. Hein, elle a besoin de vous pour que vous puissiez l'aider à faire face à tout ce qu'elle doit faire. Donc, ma chérie, Eliane. Oui, allô. Oui, tu es en direct là, hein, mais je n'ai pas montré ton côté pour qu'on sache que, pour qu'on ne voit pas ton numéro. Donc là, je suis en train de faire une demande, une chaîne de solidarité pour toi. Oui. Afin que les gens puissent t'envoyer quelque chose, pas sur ton téléphone, mais par Western Union. Peux-tu m'appeler ton vrai nom sur ta carte de lecteur, s'il te plaît? Oui, oui, Kitoko Bafeno Eliane. Donc, son vrai nom sur sa carte de lecteur, c'est Kitoko Bafeno Eliane. Donc, c'est une chaîne de solidarité que nous demandons à tous, parce que Eliane, elle a des frais. Vous-même, vous savez comment le Congo fonctionne. Moutoua magasin à Makambouta, Chambo au Pembe, il n'y a pas de problème. Donc, aidez cette fille, j'ai vraiment besoin de votre aide. Sur sa carte de lecteur, ce qui est bien écrit, Kitoko Bafeno Eliane. C'est juste ça que je voulais avoir de toi. Hein. Je t'appelle pour d'autres précisions que j'ai eues la nuit. Ok, à tantôt ma fille. Donc, comme on ne le fait pas pour l'argent. Pour preuve, bonjour, on a YouTube, t'es pour nous en bon. Sur Facebook, on va foutre à Moutouti. Et d'ailleurs, ça, c'est mon Facebook professionnel. Vous verrez que la plupart de mes éléments sont les éléments politiques. Et si je prends cette page, je l'utilise. J'ai plein de pages, j'ai plus de 50 pages. Mais si je prends cette page politique pour informer sur ce qui se passe dans la vie d'Eliane Bafeno, je voudrais vraiment que nous puissions tous l'aider. Comment quoi aider dans le domaine? Moi, je l'aide avec mes gigas. Ce n'est pas elle. Je suis pour la pangoussa. Je suis au tribunal alors que je suis fatigué. J'ai mes autres contrats à remplir. Ce n'est pas, c'est pas que moi j'ai toute une agence. Je peux envoyer un caméraman, un photographe là-bas, un journaliste. Mais moi j'y vais. C'est par amour. C'est par respect à cette femme qui s'est levée et qui a frappé un coup de pied dans la fourmilière. Vraiment, aidons Eliane. Vraiment, elle a besoin de nous tous. Moi 5 euros, moi 10 euros, hein, 5 dollars, 5 francs suisses.
5000 francs, 10000 francs, on a commencé à le quoi, pasteur en boko. Tout cela, c'est pour qu'elle fasse c'est pour les honoraires de ses avocats, c'est aussi pour les activités, parce que elle va faire une série d'activités de descente par-ci par-là pour raconter son histoire, pour demander que la justice soit faite. Vraiment, il faut d'abord qu'obéter ma boko, parce que c'est une fille qui a fait ce que les autres filles ne peuvent pas faire. Ici, quand tu te fais violer, on dit c'est ta faute. Ou c'est toi qui l'as cherché. Ou ce qui n'est pas un problème, boy. Alors, moi, je suis un homme qui n'est pas un pasteur. On ne verra pas que c'est une victime. Et nous, nous voulons mettre un visage sur ce qu'elle a eu. Qu'aujourd'hui, toutes les filles qui ont de tels problèmes se voient en Eliane Bafeno. J'en profite aussi pour dire à M. Claude Machala, du PPRD, mari de Maman Chalamouana, le juge a déjà sorti le verdict. C'est votre fils. Pèse une pension alimentaire, papa. Likambouni, limbo wana mukeza yuko pesa mwana. Hein? Pourquoi vous l'avez mis en bouche à boire binopé? Papa Claude Machala. Hein? J'ai été au tribunal hier, j'ai vu le document. Avant la série, là, yo, direct à Yomoro pendant un mois. Pourquoi est-ce qu'il y a un mouba ou t'es tina rosa solution? Papa Claude Machala. Hein? Le verdict est là. Pourquoi vous menacez moi en abattu? Hein? Ce n'est pas normal. Je n'ai pas de côté. Moi, je suis là pour mettre l'eau dans le vin. J'ai toujours dit que je suis un enfant Bethel. Je suis une fille Bethel. Donc, ce n'est rien des gens. Donc, je suis parce que je suis journaliste, parce que je viens de l'Europe, parce que j'ai fait beaucoup d'études, parce que je côtoie les autorités, parce que j'ai un carnet d'adresse, parce que. Papa, je suis en train de la liberté. D'ailleurs, vous avez un peu de temps. Je suis en train de dire un doc. L'obusina trop. Le gars, il est assis dans le poteau. Oh, je ne peux parler d'elle. Tu as pris 55 minutes à me vilipender. Il y a un peu wana. Tu sais, tu comprends le cop n'est pas qu'il n'y a pas de wana. Alingi, pasteur Moïse Mbie. Est-ce que vous êtes que. Vous avez dit que le pasteur Moïse Mbie, que j'ai eu personnellement au téléphone. Le pasteur Moïse Mbie que j'ai eu personnellement. Le pasteur Moïse Mbie que j'ai eu personnellement au téléphone est abattu. Et comme c'est un homme de Dieu, a checké ma bolo on est nassé. Et non, Kinzala, Fofo Ezate. Le pasteur Moïse Mbie que j'ai eu. Que j'ai eu, oui, mon mon ami Agna m'a appelé, je lui ai dit que je pars au tribunal, elle m'a suivi, elle m'a montré le dossier, j'ai vu son avocat, j'ai parlé avec lui, donc, na sengi papa Claude Machala, comment on a eu un mandataire, oyo papa Kabila, a kotinda, na konti ya PPRD, kolingate li kambu ya Agna, et a kobe msele souma kambu na yo. Donc, papa Claude Machala, parce que vous avez dit, Machala, moi, oui, Machala, moi, de chez moi, elle est de Ndemba, c'est normal. Claude Machala aussi, c'est mon frère de notre côté. Mais il y a un problème d'enfant, il y a un problème d'enfant, il y a un problème d'enfant, le tribunal pour enfants a déjà tranché. Bosse, il teste ADN, bosse, il m'a tout, l'enfant t'appartient. Fouta moi, non. Papa, je vais te dire que 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 je te dit quoi? À chacun son style. Moi j'ai à chacun son style. Moi j'ai un autre style que j'ai imposé au Congo.
vie privée, c'est comme en Europe. Je suis une femme publique. Ma vie privée qui ne concerne pas ma cambo tozo loba, tozo lobe la moti. Si tu veux me juger, juge-moi sur mon travail, sur mes reportages, sur mes émissions qui passent à la télévision. Viens me juger là-bas. Neti bango, si ma cambo est sur la place publique, on n'allait pas juger le pasteur Moïse Mbie. Hein? On n'allait pas juger le pasteur Moïse Mbie. Hein? Oui, je suis mon loup, je mange le foufou. Donc, avec tout le respect que je vous dois, mon armée numérique, je préfère ne plus continuer avec l'histoire de ce PD-là. Il peut continuer à me vilipender s'il veut, mais moi, je m'en fous de lui. Moi, perso, je ne le connais pas. Ça fait 15 ans que je vis en RDC. Je travaille, j'ai une maison de production en Suisse. Bah, la Suisse, c'est bah, Ebinga. On a filmé bah, mariage. Bah anniversaire, il y a ma fête et belé. Donc, la pèse est là, comme à tout d'un bout, c'est champagne. Donc, c'est une dame, une autre soeur. Elle a préféré être avec des femmes. Donc, c'est une femme qui est en boîte, alors, ça va être ma tante bouteille à champagne. Donc, il y a c'est champagne. Que je salue en passant. Nanzé, on va y aller de ma yembelana. Oh, boyo kaka, c'est champagne. Kou Genève. Yéwana. Je salue Jean-Pierre Onema. Mon collaborateur très très proche, hein, Azara l'ambassade. Si tu es congolais, aux moi problème, aux enfin, dans la Genève, au Komeninga, au Beninga, passeport, tenant lieu de passeport, document, tout que tu veux, pose à la facilité. Jean-Pierre Onema, mon collaborateur, on a notre travail avec Onéovision, une agence de communication accrédité aux Nations Unies et travaillant pour le Congolais de l'étranger. Nous sommes là pour vous. Bon, ça n'a été pas fait chez eux, mariage. Bon, ben, ça a besoin de ton messana. Moi, 400 francs sur 500 francs sur 1000 francs suisse, c'est quoi? L.O.T. Donc, ben, on va connaître pour vous, messana. Donc, Félix, Arthur, ben, avant, chénion, ça, n'a pas si vous avez bisous et belé, vieux nana. Comment il s'appelle encore? Vienna Mobwe. Donc, la personne va bisou et belé. Dans la Suisse, dans la Genève, dans la Poto, tant mort, bah, avant. Jordi Makala, Trapzik. Donc, Boulan Baba News, sur sa page, c'est mon fils à Salaka. Musique, na Genève. Donc, pour aller l'autre, Sukisiawa. On était là avec vous, c'est depuis 7h13, afin de parler avec vous. J'ai dû répondre à quelqu'un à qui on a payé, je sais, et nous connaissons la personne qui est en train de tirer les ficelles dans ce dossier. C'est un proche du pasteur Moïse. Nous avons détruit le ministère à pasteur Moïse. Donc, c'est nos proches. Ce n'est pas un pasteur, comme on dit, non. Bazo sale kabal, ne ba sale nzambe pour lingete. Non! Je vous parle d'un proche. C'est-à-dire que, ba melane libele mon corps. Moutoazo détruit Moïse Mbie. Je vais terminer pour dire au pasteur Moïse Mbie, l'humilité précède la gloire. Et le côté, maï mana kouichikila. Maï mana kouichikila. Tu finis dans le ndolo là. Mou chronique. Tu finis dans mon coulondolo. Tu finis dans mon disambil. Angate nani genouillé. Genou. Bikankani, je ne sais plus, j'ai oublié. Faut comprendre, j'apprends le tchouba. Angate genouillé. T'es capable. Ba Christ bonce. Bene betel. Bene betel to. Il m'a fou la lousse. Kadjoué moi là, nous tamam ou boile. Wabab. Nous fouche betel bound. Nous te fouchetons tout bon, bah ma moueb, bah ta toueb, bah Christ. On vous mouille, mouchia quoi tout. Donc, que le pasteur Moïse Mbie n'écoute plus les ragots venant de Kinshasa. Le dossier ne sent pas bon.
Elle s'appelle Kitoko Bafeno Eliane. C'est ça son nom. Vous lui envoyez le Western Union. Vous m'envoyez le code sur mon numéro 00243-85-13-83-111. Binou. Pasteur Moïse Mbi. Pasteur Moïse Mbi. Parce que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Israël est là où il partait, à Canaan, c'est juste à côté, 40 km. Mais ils ont dû prendre le désert. Ça, c'est le désert par lequel Dieu t'a fait passer. Mais demande à ce Dieu-là qu'il puisse marcher avec toi pendant la journée comme une colonne de nuée, la nuit comme une colonne de feu, qu'il soit avec toi comme Emmanuel, Dieu parmi nous. Je me rappelle quand on était à la cité Bethel, tu n'avais pas un micro, ton Dieu me disait, Emmanuel, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Ouais, on disait, ton Dieu, la cité Bethel, pas un micro. Pour moi, je suis à la Bethel, il y a Karl, il y a Moïse Mbi, il y a Pasteur Emmanuel Mbi. Donc, tel qu'on est là, on a besoin d'un Nzambe. Eliane n'est pas venue à l'église pour chercher des problèmes. Ce sont des circonstances atténuantes. Surtout, quand tu as un sikoyo, et katani, boyokani, Mireille Moké, n'a qu'à côté, n'a écrit ça, qu'est-ce que ça, la vie, n'a le Jérémie et autres. Parce que ça, la vie, n'a pas comment ça va faire, fait sa vie. Le pasteur Moïse Mbie, je vous apprends d'ici le mariage. Bokodoka. Donc, c'est un peu ça. Soyez nombreux. Quand on est dans sa live, je suis pour nous bima. Je suis pour nous madame Eliane, qui est sous protection internationale, vu les menaces qu'elle a subies, elle et ses, ainsi que ses avocats. Moi aussi, j'ai subi quelques menaces. Mais je leur ai dit, bon, menacez, vous avez plus, vous avez un peu la porte. Bon, menacez, vous avez. Les sages ont déjà compris. Merci à la collaboratrice du pasteur Moïse Mbie qui m'a appelé tard dans la nuit. Une femme, une personne très très humble. Hein? Une personne très humble. Vraiment, félicitations. Il faut que le pasteur Moïse puisse avoir des gens comme vous. Vous m'auriez appelé depuis que cette histoire a commencé. Mais trop haut de niveau. Moi, en tant que femme, en tant qu'ancienne de l'église Bethel, l'église traditionnelle Bethel, Akosenga, c'est un homme de Dieu. Akosenga, parce que s'il ne le fait pas, l'humilité précède la gloire, hein? L'orgueil précède la chute. Et Kolandanambangu, c'est qui est su comme ça, tu vas péter un IPI, aucun de prison, le problème est zati. Et ça peut créer des problèmes dans l'église. L'église est Koko Panzana. Le pasteur Emmanuel Mbie qui a bâti cette bâtisse, c'est une tautologie, mais c'est pour montrer la force de ce que je voudrais dire. Le pasteur Emmanuel Mbie qui a construit cette église ne peut pas voir son œuvre. Et Panzana Kakaboué. Pour le Makamo, Zangatina, Rosinaka, pardon. Non. Nous savons tous que le pasteur Moïse Mbie, même si c'est un Moulouba, c'est d'abord un pasteur, un jeune, a vu que c'est un ministère na eh, que ministère na eso c'est l'angoté, ministère na robeba. Parce que demain quoi tu m'accompagnes. Mon numéro, c'est-à-dire, vous faites Bossali Western Union, vous faites le Western Union. Avec le nom d'Eliane Bafeno, son nom c'est Kitoko Bafeno Eliane. Lorsque vous avez fait le Western Union, vous envoyez maintenant le code sur mon numéro 00243-85-13-83-111. 00243-85-13-83-111. Il demandera pardon. Parce qu'il ne demande pas pardon. Oezambo Kamibeko.
Et comme il y a mon croiseau, parce que non, ce sont les chrétiens qui le combattent. Et là, il y a le pasteur Sony a repéré sa suspension. Ce qui a repéré sa suspension, ce qui a quelque côté en encore, à cause de la guerre dans l'ancien des églises, ça ne sera pas bon pour lui. Pasteur, frère Patrice, à quoi il y a un peu de sous-souté. Ce qui a yembi, 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 la télévision, a yembi, 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 ça sera la guerre avec cette institution-là qui gère les musiciens chrétiens. Donc, il n'aura plus, sa guerre ne sera plus Eliane Bafeno. Sa guerre, la guerre, n'a pas fond ébellé. Tous ces gens-là qui sont en train de l'entêter dans cette histoire, parce que le tribunal est comme, il y a Télémiao, Eliane a Télémiao, Jérémy a Télémiao, Mokeni Mire a Télémiao, Christian a Télémiao, n'a pas parti civil, qui m'a dit que c'est le Bakabal, on s'est porté parti civil, il y a tribunal. Ça ne sert pas à son avantage. C'est pour montrer les gens qui pensent que Nati Love ou être. Nati Love, en fait, Nati Love, c'est, j'espère si je ne me trompe pas, hein, Nati Love, c'est la fille du Bill Gates congolais, Mwamba Cardozo, l'homme qui affronte Mwamba Cardozo, le Bill Gates congolais, notre frère, le opéra puissant à dollars. Dans un qui pas vieux, Mokoana, Nalia qui pizza bien, aïe, c'est la table à pizza belé. 5 pizzas différents. Il y a mon allière végétarienne. Et donc, Nati Love, la fille de Mwamba Cardozo, Wankena, tout un d'Ababoun, notre grand frère à nous. Le soir, on a un poème à l'art, au Bengi Kaka, tout un d'Ababoun, Mbalamoko. Grand frère Nabiso la province, Mwamba Cardozo, Wankena, l'homme aux yeux bleus. Bref, je rentre. À l'histoire du pasteur Moïse Mbillé. Je demande au pasteur Moïse Mbillé de s'humilier, qu'il ne puisse pas suivre les ragots de Kinshasa. Pour ce qui est de la caille, il y a beaucoup de choses. Vous comprenez? En RDC, je n'ai pas besoin. Oui, il y a la lobby na coopérante, na agence na communication, na ba cop na mi souci ya mi nene na côté ba katanga kuna. Donner que na ba katanga que na ba cop na nga. Ya ndera soka salete ya kindumba. Nga na ke bana Moïse mbi pona zo ni ne pas nae. D'abord c'est dégoûtant rien que de penser à ça. C'est dégoûtant. C'est toi tu es pédé, tu as une mauvaise vie, tu as embrassé le diable. Tu penses que tout le monde n'a pas le diable au nom de Jésus, il m'a la vie. Donc, des grâces ne m'envoyez plus ces vidéos. Donc, si on a confiné à Kuna, les gens répondent un coup KO. Je ne vais pas commencer par me distraire là-bas. Toi, ma solo, Awa, 2020, année des actions, il faut qu'on soutienne le chef de l'État. Il faut que son mandat puisse réussir. Il faut qu'on soit là pour parler aux détracteurs. Si on a besoin de président Fachi, on a besoin de bussoir. On a besoin de kenoti na français, de kenoti na souk. Le pasteur Moïse, je ne peux pas dire. Le pasteur Moïse Mbille, je ne peux pas dire, mais je l'ai eu hier soir. J'ai parlé longuement avec lui. C'est un homme très humble. C'est un homme très humble, comme je l'ai dit. C'est un homme très humble. D'ici là, il revient au pays. Ma soeur est velée au Bourmont, à Kamikolo. 10 jours, Kalate, il va revenir au pays. La tempête sera calmée. Et puis, ma Kamboutou est ici là. Félicitations à cette personne qui lui a parlé avec son cœur afin qu'il puisse briser son silence et parler. Vous comprenez, nous ne voulons plus tirer sur lui. Nous voulons juste que le ministère. Et soit saigné pardon. Et quoi, pardon collectif, vraiment, quand vous tout.
Soka seni pardon, il sort grand. Amen, Matos de Jorine. Donc, c'est tout ce que nous attendons de lui, qu'il puisse, au-delà de notre germe, quand on sait qui, tout ça, divers et tout, au-delà de tout, ce sont des personnes. C'est un pasteur qui a tout un ministère. Mitemezoki, vous ne savez pas combien de messages j'ai dans mon téléphone. Dans mes téléphones privés. Mitemezoki. Et je pense le fait seulement de s'humilier, de demander un pardon collectif pour tous. Tous ces oyons, un pardon pour tous ceux qui ont fait du mal. De mal. Donc, et bien, la haine, on a tout le temps, on a et Simba les sauter. Et là, je suis très sérieuse. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live matinal, où que vous soyez, soyez bénis. Je vous bénis où que vous soyez. Que mon Dieu, le Dieu du pasteur Emmanuel Mbir, puisse être avec vous. Que toutes vos entreprises puissent réussir. Que tout ce que vous allez toucher puisse aller de l'avant. Que toute terre où vous mettez, vous foulerez vos pieds puisse être en votre possession. Que ceux qui sont célibataires puissent être mariés selon la Bible. Que ceux qui n'ont pas d'enfants puissent avoir des enfants. Ça, c'est ma prophétie pour tous les chrétiens, des gens qui croient en la personne en qui moi je crois. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le bouebo la bicondo, c'est la pierre angulaire. Moulumankaya, ça veut dire c'est l'homme qui fait tout seul. Quand tu dis moi, Kujito, il n'a pas de conseiller. Cet homme-là, il fait des miracles au moment opportun. Lorsque c'est ton heure, c'est ton heure. Je pense qu'il fallait que tout ça arrive pour que Moïse Mbille se marie, pour que Moïse Mbille puisse se consacrer à l'Éternel, que Moïse Mbille puisse passer par une délivrance. Que sa vraie vie soit révélée de et par tous. Et qu'il recommence une nouvelle vie. C'est comme ça que l'album Triomphe entrera dans nos cœurs. Parce qu'il aura triomphé sur son ancienne vie. Parce que c'est comme ça que l'album Triomphe entrera dans le cœur des gens pour montrer qu'il a triomphé sur son ancienne vie et que maintenant il recommence une nouvelle vie avec une triomphe. Je ne sais pas quand il a donné cet album-là, Triomphe, il avait compris, il avait eu le message de Dieu. C'est comme ça que moi je l'appelle. Moi je l'appelle Moulumankaya parce que j'ai trop d'ennemis dans ma vie. Je n'ai que lui, Moulumankaya. Yehowa Hamashia. En français, c'est bien beau de le dire. Il était là avant, il est omnipotent. Omniprésent, omniscient, l'homme qui dit une chose, ça arrive, qui ordonne, ça s'accomplit. Il est celui que j'appelle le redoutable, l'imbattable, l'invraisemblable. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et celui qui veut être élevé, il doit être à ses pieds. C'est pour ça que je demande au pasteur Moïse, « Fina nakuma kasa Yesu, nibi nubieba. » Pinga na kumaka sa Yesu ni binu. Allo yaye? Oui. Tutu ezere emission ko eba. Kimuntu bina shimwa mbe mala ke. Kesi. Pas de souci, voilà du profil, je serai en pagne. Et moi.
Rob, mais ça robe, t'es là comme mon élève, maman, je faisais mes courses, ma tombe bête, ma bagoutie. Enzo Lucas, j'arrive. J'ai une mission ce matin. Faut comprendre, l'invité est déjà là. J'avais même oublié de lui envoyer le questionnaire. Donc, c'est un peu ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon mercredi à tous. Donc, le lobe activité à Eliane Neza, à la marche d'un moko pour dire non à la violence faite à la femme, non, stop, stop au viol en République démocratique du Congo. Il y a une série d'activités comme ça qu'elle veut mener, mais pour tout ça, elle demande des sous. Donc, beau aider Eliane, elle a besoin d'un binou. Elle a besoin d'un bisou, tout. Au balai, tout ça, elle a besoin giga. Et ça va tant d'abysses. Moi, j'ai une mission, mais dans un moment, et au Qatar, ma camionne, pour une mission, on te laisse ça. Ce sont ces missions-là qui font que je sois ce que je suis. Donc, tu as là, ça va, Mouya, Eliane. Donc, je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. N'oubliez pas de prier pour nos frères d'essai qui combattent pour notre pays à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez des frères qui tombent, n'oubliez pas de m'envoyer les photos et leurs coordonnées. Nous mettons sur nos pages parce que cette guerre est plus communicationnelle qu'autre chose. Celui qui a la communication a le pouvoir. C'est lui qui joue encore avec la communication d'aujourd'hui, n'a pas encore compris comment le monde fonctionne. Nous sommes à l'ère numérique. Quand des petits villageois disent que non, comment vous savez? Comment vous savez? C'est parce que nous sommes très proches du dossier. Nous ne voulons pas que le mal arrive. Parce que quand le mal va arriver, on va nous généraliser. Balou Bawana. Balou Bawana. On ne va pas parler du pasteur Moïse. On va tous nous généraliser. Donc, comme nous ne voulons pas en arriver là, vraiment, nous voulons à ce que les choses puissent aller à mieux. Donc, nous étions plus de 1 000 en ligne, 1 000 000 juste pour ce live. Soyez na choka qui bien nini on est bandé, libo comprendre. Moni o esa air numérique muto chi o chi. Pour comprendre que au quoi qu'on quitte tina c'est à ma colonne. Donc, à l'objet qu'à suite temps, il y a t'as la page dans moi bien. Tu vois que moi, je fais de la communication institutionnelle, monsieur. Moi, je ne fais pas la communication Facebook. Ici, moi, je viens juste pour garder mon armée numérique. Yozo le canal de followers, ce qui n'est pas mon cas. Denise a plus de 200 000 sur toute ma page dans mon tout. Je suis à plus de 1 million d'abonnés sur toutes mes pages réunies. Donc, avant le bouzo banayo, donc, t'as la rabiscoso dans ma cour. Je peux déjà te montrer quelques personnalités pour lesquelles je travaille. Au bien, j'ai un bon. Moi, je crois que Yozo, c'est là-bas. Au bien, on y est. Yozo, c'est là. Bah, Mickey, Mickey à YouTube. Hein? Bah, Mickey, Mickey à YouTube. Ce n'est pas mon cas. Attends, je me connecte sur un autre compte. Bah, compte de l'Ekina. Ah, au Kodokati. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le réseau est vraiment. C'est ça qui est le téléphone. Ça, c'est mon Orange. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je veux juste vous montrer vite fait les quelques pages des autorités que je gère. Je gère plus de 60 pages. Oh, où est Zanine? Ah non, ça c'est. Ah non, pardon. Excusez-moi, hein, parce que réseau problème, réseau Zoboya. Réseau Sabou Zoba. Entre-temps, je vais finir mon direct pour dire que le pasteur Moïse Mbi puisse s'humilier. Hein, parce que il n'y a pas Eloko qui dialogue dans mon kilo. Oui, on peut en rigoler, dire, oui, c'est normal, tout fonctionne avec l'argent. Là, Eliane Bafeno a besoin de sous. Donc, rien ne se fait sans argent. Son dossier est en béton. Et qu'aujourd'hui, moi, je vais vous dire que Eliane Bafeno veut aller avec ce dossier jusqu'à la fin. Elle est décidée.
Elle est décidée, quand je vous dis que elle est décidée, elle est vraiment décidée d'aller avec ce dossier jusqu'à Tina Lifobo. Téléphone est bouillé. Mon Dieu. Eliane Bafeno, pour ceux qui ne le savent pas, Eliane hier a été en face de lui avec Christian, son ex, avec Mireille. Aïe, c'est vraiment peu beau dans la salle d'audience. Nenge Zaboy, j'irai avec ce dossier jusqu'à la fin. J'irai avec ce dossier jusqu'à la fin. Babiso, on est toujours dans un dossier qui était dans Soukate. Donc il a appelé ici, c'est lui qui bloquait le réseau. Donc, vous comprenez. Donc, Eliane veut aller avec ce dossier jusqu'au bout. Or, mes chers amis, Moutoko Sabinote. Bon, il y a un dossier à Boé. Moi, il y a un dossier à Boé. Il n'y aura qu'une seule personne qui va payer. T'as un autre toka. Tongo, hein? Nazo toka. On a un problème. On a un problème de réseau grave. Parce que c'est là, c'est le réseau RTL, je pense. Ça, c'est le réseau Orange. Comme je disais, Hélène Bafeno a besoin de tous pour son procès. Pardon, excusez-moi la tautologie. Mais qu'est-ce qui se passe avec le réseau Orange ce matin? C'est pas grave. Vous voyez, par exemple, juste sur ce compte-ci, ici, je gère 11 pages. Oui, oui, elle organise les activités. C'est aussi une influenceuse. Elle organise beaucoup de conférences, des choses comme ça. Vraiment, moi, je la félicite parce que c'est une fille très courageuse qui a su briser son silence. Et moi, des femmes comme ça, je les aime bien. D'ailleurs, écoute, elle a besoin que Potote, je vous apprends. Elle vit, c'est vrai, c'est Eliane est le bras droit de sa famille. Elle vit très bien. Azake Panae, Azananda Kunae, mais vu les circonstances, elle a dû rentrer chez ses parents pour être protégée. Même là-bas, Balandie, il y a un autre monde là-bas, Paranaye, Nandaku. Tokeiko. Bon, vous savez que ça le quoi était. Je gère des pages officielles de beaucoup d'autorités et même des hommes d'affaires, des députés. Mention spéciale à mon mentor, l'honorable Christian Mwando Ntimba, hein, en vacances en Belgique. Honorable Christian Mwando, nous avons 80 000 vues. Séné Boyko Kangai Batali, parti politique n'est pas 3%. Ce est atteint de CIT. Mais il y a 80 000 voix. Donc, honorable député Christian Mwando, je te salue, sois béni, mon mentor. Je salue en passant mon papa. Bâton, est-ce que mon kilo? J'ai deux papas. Bâton, il bambinga. Papa Denis Komba et Chimbumbu. Papa Richard Mouyej, mon Gezmons. Mes papas à moi. Hein? Je tiens aussi à saluer ma patron en là, comme le député, l'honorable Patrick Katengo. Patrick Katengo, honorable député Moko, très gentil. D'ailleurs, autour de sa activité, moi, au moins, mi balé Awa, que je veux mettre en ligne d'ici là. Assemblée nationale, Fatih.
attirer le gouvernement à peine de complaisance dans le public. Entre-temps, suivez son message. Merci beaucoup. Je vais retourner à ma face à Kwachana. Pour la première fois, j'ai un entretien dans mon cours de la guerre Forum national de la jeunesse. Au niveau de la République démocratique du Congo, je vais faire un petit peu de temps. Bye bye. Lui, c'est l'honorable Patrick Katengo. Je travaille pour lui. Je suis un conseiller numérique. Donc là, il parlait en swahili. Même si je travaille au Katanga, il est en train de dire que l'Assemblée nationale puisse travailler pour l'intérêt du peuple, que le gouvernement congolais puisse travailler pour l'intérêt du peuple. Ensemble, c'est comme ça que nous allons tous éviter une crise institutionnelle en République démocratique du Congo et surtout de soutenir le président Fachi. Il a aussi un message. Il a aussi un message. Donc, comme j'ai émission ce matin, je commence d'abord par une émission parce que d'ici là, je suis rentré à la télévision. Donc, pour moi, l'émission n'a rien à voir. Donc, je voulais, souhaiter une très bonne journée à tous. Soyez bénis. On se retrouve très, très prochainement pour un autre live.
N'oubliez pas de soutenir Eliane Bafeno Kitoko sur Western Union. Et n'oubliez pas de m'envoyer le code sur mon numéro de téléphone. Et à ce moment-là, je l'envoie, elle part, elle retire. C'est pour face à tous les frais d'avocat, les honoraires et tout ce qui vont avec pendant son procès. On se retrouve très, très prochainement pour un nouveau live. Au revoir et à bientôt.